Bon, alors, couleur des yeux vert. Il n'y a pas trop de problème. Ah, bonjour, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, donc je vais d'abord commencer par vous parler des élections. Alors vous en faites pas, ça va être assez court, c'est pas le but de cette vidéo, vous en faites pas. Donc, pour les élections, bah, je vous dis, bah, faites comme vous voulez pour ce second tour. Personnellement, je vais m'abstenir parce que je pense que même voter blanc, c'est donner une caution à ce qui est en train de se passer, et que si vous votez, quoi que vous votiez, blanc ou nul, de toute façon, ce sera comptabilisé comme de la participation. Donc ça valide la personne qui va être élue au second tour, quelle qu'elle soit, puisque voter blanc, c'est voter pour les deux en même temps. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo du vote obligatoire pour comprendre ce que j'entends par là, si ça vous intéresse. Et donc moi personnellement, je vais m'abstenir. Je pense que le vote utile, j'ai assez donné. Enfin, ça fait déjà plusieurs élections que je le pratique plus. De toute façon, faut peut-être arrêter de se faire peur à un moment. C'est tout ce qui va gagner. C'est pas la peine de flipper, hein. D'ailleurs, personne ne flippe. À vrai dire, c'est pas cette histoire de vote utile qui nourrit le Front National pour les élections d'après, pour lequel je vais vous parler. C'est tout simplement pour vous dire que, quelle que soit la personne qui va être élue, de toute façon, je voudrais pas vous déprimer parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont sur YouTube, mais en France, il n'y a pas d'avenir pour les 5 ans à venir. C'est complètement foutu. Je vais vous, par exemple, moi, il faut savoir que j'ai bac plus 5 et que ça fait 11 ans que je vis de petit boulot en petit boulot et que j'ai jamais eu. Quand j'ai des boulots qui sont à ma qualification, ils sont à la pièce, je suis payé sur ce que je rends. Une misère, c'est. Et puis plus ça va, plus j'ai l'impression que de toute façon, un de ces quatre, ils vont me demander de bosser gratos. Hein. Bientôt, ce sera à moi de payer pour trouver du boulot. Hein. Ça, on s'approche de ça. Je pense que à force de faire des boulots où on se fout de ma gueule, je pense qu'au bout d'un moment, bah, il y a une certaine lassitude au bout de 11 ans, comme ça, et que. De toute façon, on va rester dans le néolibéralisme, il ne faut pas se faire d'illusions dans les 5 années qui viennent. Et pour moi, 16 ans de précarité, ça fera peut-être un peu trop long. Je ne sais pas si vous comprenez un peu mon point de vue. Alors, voilà le cœur de la vidéo, de ce que je voulais dire, c'est que il nous reste toujours une option. Cette option, c'est d'aller dans un pays en développement pour essayer de trouver du travail. Il y a des pays en voie de développement où on parle français ou une autre langue que vous pouvez parler assez facilement. Tout dépend de vos capacités en langue étrangère. Et où on a besoin de gens qualifiés comme nous, où le niveau moyen, c'est bac plus 2 ou même pas le bac du tout, qui sont des pays où on peut vivre bien et où on peut aider ces pays à se développer. Et moi, personnellement, maintenant, je crois que c'est ce que je vais faire parce que. J'ai essayé de pouvoir gagner ma vie et vivre dans ce pays, la France, et je crois réellement que c'est impossible. Le second tour, là, enfin, le président qui va gagner, je crois que c'est vraiment c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est fini, quoi. Je veux dire, c'est pas la peine de rester ici. Y a rien à attendre, quoi. Alors évidemment, je vous encourage néanmoins à aller en masse aux élections législatives pour limiter la casse au maximum de ce que vous pouvez. Pour essayer de changer de modèle économique, c'est un peu raté, mais au moins on peut réussir à ça, et évidemment vous mobiliser si vous choisissez de rester en France. Mais personnellement, je pense que c'est une bonne idée, notamment pour les gens qui, comme moi, ont un niveau d'études assez élevé, parce que vraiment, il n'y a rien à attendre ici, quoi. Alors, aujourd'hui, j'ai fait ma demande de passeport, et si vous êtes quelqu'un qui a besoin de moi, je vous invite à voir mon CV sur mon site adrienfournier.com. Il y a écrit CV sur l'image moche du début, parce que j'ai pas eu le temps de refaire mon site.
Parce que il faut savoir, évidemment, j'ai pas le temps de refaire mon site pour une raison toute simple, c'est que toutes les semaines j'essaie de trouver du boulot. Et à chaque fois que je trouve du boulot, c'est de la merde. Ou alors j'ai fini par jeter les lettres de refus, parce que à force d'en avoir, si je les garde, c'est pas bon pour la forêt, quoi. Donc voilà, c'est mon expérience personnelle. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin de quelqu'un qui a une forte connaissance dans le milieu de l'art, l'audiovisuel, l'illustration, et que vous cherchez quelqu'un de qualifié avec bac plus 5 et un bagage assez important. Vous pouvez très bien me contacter, je suis pas très cher, voilà. Peu importe dans quel pays vous êtes, et même l'enquête sociologique, hein, puisque je me suis formé aussi à ça, entre autres grâce à l'ANPE, ce qui n'a pas donné non plus grand-chose. N'hésitez pas à me contacter, je le dis, je le redis. Je suis prêt à me déplacer partout dans le monde, à condition que ce soit un boulot intéressant, qui permette de me sentir utile, et où je sens vraiment qu'on se fout pas de ma gueule. Et ça, ce serait vraiment extraordinaire, ce serait la première fois de ma vie que ça m'arriverait. Ça doit être une expérience assez incroyable, et il paraît que ça existe, un vrai boulot intéressant. J'aimerais bien voir ça, une fois dans ma vie, hein, parce que j'ai bientôt 40 ans, et jusqu'à maintenant, j'en ai jamais vu. Donc, en attendant, comme on est sur YouTube, bah, je vous encourage à mettre des pouces bleus à cette vidéo, à la partager, à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne adrienfournier.com. De toute façon, vous savez, YouTube maintenant paye beaucoup moins qu'avant. Ça aussi, c'était assez sympathique parce que c'était déjà précaire, mais là, c'est encore pire qu'avant. Mais enfin, partagez quand même mes vidéos et regardez mes vidéos, hein. Je vous invite aussi à voir Les Locataires, la série, ma série animée. Qui est vraiment le summum de ce que je peux faire dans mon travail, puisque c'est la synthèse entre mes qualités de dessinateur, mes qualités de réalisateur, d'acteur, enfin il y a un peu de tout, de musicien. Et oui aussi, puis vous pouvez vous abonner, je crois que je l'ai déjà dit, et vous pouvez également commenter, hein, si vous aussi vous pensez que c'est une bonne idée de quitter la France, parce que de toute façon on va vivre 5 années qui vont être absolument atroces, et que ça fait déjà plusieurs années qu'on vit qui sont déjà atroces, donc je pense que ça risque pas de s'améliorer d'ici peu. Et bah oui, et puis à Tipeee aussi, si vous voulez foutre 2-3 centimes, voilà, ça me fera plaisir, parce que pour le moment ça n'a pas été glorieux non plus. Et bah, à plus, et puis surtout, réfléchissez bien et faites ce que vous voulez au deuxième tour. Franchement, j'en ai plus rien à foutre. Salut!